Salut à tous, c'est Spartan Tilk et aujourd'hui, je vous propose un nouveau commentaire sur Halo 4, une nouvelle partie commentée sur Halo 4, un nouveau commentary sur Halo 4, appelez ça comme vous voulez, c'est vous qui décidez simplement. Et aujourd'hui, nous allons voir jouer Mishkapi dans un mode de jeu que j'affectionne tout particulièrement, c'est sans doute mon mode de jeu préféré depuis que j'ai commencé à jouer en ligne. Je veux bien sûr parler du mode de jeu chacun pour soi. Ici, le mode assassin pro, c'est-à-dire professionnel. Nous allons voir jouer Mishkapi donc sur la carte Adrift. Et franchement, il se démerde pas mal du tout. On regarde ça. Alors comme vous voyez, comme à l'accoutumée, la partie commence en mettant le nom de la personne qui joue et un compte à rebours en haut. Je suis content de vous avoir fait remarquer ça. Ou pas. Alors, si vous ne savez pas que ça fait longtemps que vous n'avez pas joué à Halo 4, que vous avez boycotté Halo 4, ou que vous arrivez récemment sur Halo 4 et que vous ne savez pas ce qu'est le mode de jeu Assassin Pro, et bien en fait dans Halo 4, nous avons le choix de pouvoir se créer une classe. Classe personnelle avec un atout, avec une arme, avec une arme secondaire, voilà. Et sur dans la version pro, tout le monde a la même classe et peut choisir entre les quatre armes principales qui sont à peu près identiques, c'est-à-dire le BR, c'est-à-dire le DMR pour les armes humaines, c'est-à-dire la carabine Covenant pour l'arme Covenant et le fusil léger pour l'arme Forerunner. Notre ami Mishkapi a choisi le standard, le BR, arme utilisée donc depuis Halo 2 et qui a longtemps fait ses preuves comme arme polyvalente et aimée de la part des fans de la licence Halo et plus particulièrement du multijoueur. Nous voyons Mishkapi qui donc enchaîne les adversaires un par un, qui se débrouille pas mal, qui est déjà le premier. Et ça fait plaisir de voir une jolie game comme ça, vous-même. Je pense que ça vous fait plaisir de voir une petite jolie game. Ça fait longtemps que j'en ai pas diffusé personnellement. Alors j'espère que vous êtes juste content de que je vous offre cela. Et merci à Mishkapi de l'avoir donné, de l'avoir envoyé. Elle a été envoyée il y a quasiment un an. Donc vous voyez qu'on est parfois un peu lent pour rattraper le retard. Vous envoyez parfois, surtout en période de vacances. Pas mal de vidéos, il y a beaucoup de catégories de vidéos à faire, à s'occuper. Il y a les commentaires, il y a les Halo Actu, il y a les Halo Culture, il y a les Alors. On peut pas faire plusieurs vidéos par jour parce que ça vous saoulerait au bout d'un moment. Puis nous aussi on a un petit peu une vie de notre côté. Du coup bah ça s'étale dans le temps et ça prend un petit peu de temps. Donc voilà, au niveau des clips, je sais que moi je m'en occupe pas trop parce qu'à chaque fois que je le fais, vous m'insultez. Donc j'ai décidé d'arrêter pour ma santé mentale. Mais les clips se vident beaucoup plus rapidement que les commentaires. Alors n'hésitez pas bien sûr à envoyer des clips si vous avez des jolis trucs. Ils arriveront sans doute beaucoup plus rapidement que les parties commentées. Et ne les enlevez pas de votre partage de fichiers, merci. Et ne campez pas, c'est bien aussi. Soyez comme Mishkapi, très actif. Un autre truc qui est actif, oh là là, je fais des transitions de malade. Bon, ce sombrero aussi est actif, même Tsunami. Ce qui est actif, c'est en ce moment l'activité Halo. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est assez extraordinaire. On avait rien, et puis d'un coup, on a plein de choses. Qu'est-ce qu'on a? Bah déjà, il y a quelques mois, en mars, on a eu la fusion avec Halo FR. Et Halo QG qui a lancé ce lancement d'activité, on va dire, sur la chaîne francophone Halo. Sinon, à part ça, on a les Halo exclamation qui sortent au fur et à mesure, qui sont traduits en français de manière amateur, mais qui sortent en anglais. Donc on a au numéro 7, je crois, un par mois. Donc ça arrive progressivement, ça raconte après Halo 4. Et je les ai pas encore lus personnellement, mais il y a des choses qui sont très intéressantes d'après ce que j'ai entendu et qui devraient même donner des indications sur la suite Halo 5, tout ça. Ensuite, bien, on a eu très récemment la LAN I Love BTB où on vous en a parlé récemment également.
avec Red Link qui a pu y aller. Red Link et Max qui ont pu y aller. Red Link va faire une vidéo là-dessus. Un reportage qu'il a pu faire là-bas. Donc le temps de faire le montage, tout ça, c'est un peu long. Mais ça va arriver, vous inquiétez pas. Donc pour les fans de compétition, quelque chose de plus approfondi, on va dire, que la vidéo récapitulative qu'on avait fait, va arriver. Et après, même pas on l'évoque, l'E3, avec la Master Chief Collection, avec Halo 5, la bêta d'Halo 5 dans la Master Chief Collection. Ça va arriver en novembre, très prochainement. C'est un truc de fou, la bêta Halo 5 en décembre. Il y a tout qui va s'enchaîner d'un coup, c'est énorme. L'année prochaine, en novembre prochain, en 2015 donc, Halo 5. Nouvelle campagne, nouveau truc. Bon là c'est dommage pour Mishkapi qui fait n'importe quoi, hein. Il se démerde, il a fait un massacre, il a fait des trucs, mais là il se suicide. Et puis on a vu la déception, hein. Des fois quand tu te suicides, t'es là, t'essaies de lever ton viseur. Non, non, je veux remonter. Et là, il a lâché sa manette, dépité. Non, je tombe. Oh putain. Voilà, c'est vraiment, on a vraiment senti le dégoût dans cette non-activité pendant qu'il sautait. Et puis bien sûr, on en vient à la dernière actualité du moment, on va dire. Les Halo Awards. Les votes sont ouverts. Lien en description pour être bien sûr que vous puissiez y aller. Les Halo Awards, si vous ne connaissez pas, qu'est-ce que c'est? C'est la plus grosse, la seule cérémonie française qui récompense les machinimas et les montages français sur Halo. Il y en a pas mal, un jury a fait une sélection, les amis, dans une catégorie. Maintenant, c'est à vous de regarder les meilleurs, donc, dans chaque catégorie, et de donner votre vote pour donc le meilleur de cette catégorie. Les gagnants seront donnés dans un live sur Twitch. Dans une date ultérieure, donc vous avez jusqu'au 20 juillet pour voter, et donc le Twitch se fera après cette date. Et on n'a pas encore de date. Nous avons donc Mishkapi qui se rapproche de la fin de sa partie, mais elle n'est pas terminée, ce qui me laisse le temps, et puis vous voyez qu'il se démerde super bien, ce qui me laisse le temps de vous parler de la RTX, la Rooster Teeth Expo. Rooster Teeth, c'est notamment les petits gars qui font Red vs Blue notamment, et plein d'autres choses, qui ont une exposition tous les ans. Et ils ont tendance à faire des invitations, à inviter des gens, et à inviter 343 par exemple. Et on sait d'ores et déjà qui seront à la RTX, qui se déroulera début juillet, donc du 4 au 6 si je dis pas de bêtises. Et il y aura du Halo, donc 343 profitera de ce moment pour faire quelques petites annonces. Et ça, c'est intéressant, mais on vous en reparle, que ça soit dans une vidéo ou sur le site avec les news. Tous les liens de toute façon sont en description pour tout ça, le Facebook, hein, vous êtes susceptible d'avoir des informations. Tout ça en description, comme toujours, hein. N'hésitez pas à visiter le forum pour parler avec tous les gens. Enfin, là, la fin de la game est assez particulière. Les gens jouaient assez bien au début, puis à la fin, tu sais pas trop ce qu'ils font. Il y a un type qui s'est mis à teabag le couloir. C'était assez sympathique, assez fort. Il reste plus qu'un frag à faire pour Mishkapi. Mishkapi nous le fait. Et voilà, première place. Comme je vous l'avais dit, c'était une jolie game. Je l'ai un petit peu commenté au début, puis après je suis parti parce que l'activité Halo est tellement forte en ce moment que j'avais besoin d'exprimer tout ça. Vous aussi, vous avez une partie commentée qui est une partie à commenter qui est cool, ou même une partie commentée, c'est très simple. Le lien de l'adresse est là au milieu de votre écran. Les deux dernières vidéos posées sur la chaîne Halo QG sont là. Franchement, moi, en ce moment, là, j'ai jamais été aussi fan d'Halo qu'en ce moment, où il y a plein d'activités comme ça. C'est vraiment trop énorme, ça fait vraiment... T'es fier d'être fan d'Halo. Et j'espère qu'en ce moment, vous êtes fier d'être fan d'Halo, que vous êtes impatient que la Master Chief Collection arrive, avec Halo 2 Anniversary, avec les terminaux qui vont parler de l'arbitre, tout ça. Ça va vraiment être énorme. Et franchement, un gros vive Halo à tout le monde. N'oubliez pas, donc, les Halo Awards. Parce que le jeu c'est bien, mais il y a aussi tout ce qui est à côté du jeu avec les vidéos. Faites-vous aussi des vidéos, envoyez les vôtres. Et on se fait tous de gros bisous. Salut à tous, vive Halo !